Ah là 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 là. Est-ce que ça... Oh bah parfait, ça a poussé. Allez, on prend tout. Hop là. Allez, on va ramasser tout ça. Hop. Bon alors on a combien de blé? Oh, attention, ça arrive. Fin. Ah bon, on en a 40. Bon bah c'est parfait les gars. Ah, 40. Ah, 40. Ah, on a presque le stack. Ça monte, ça monte, ça monte. Peut-être le stack. Oh, le stack. Bah, un stack et 12 de blé, hein. C'est pas mal, hein. Je vais ramasser tout ça. Puis je vais me faire plus sérieusement, les gars. Salut à tous les amis, c'est mon petit game. Et aujourd'hui, on se retrouve tuto, les gars, de ferme automatique. Comme vous avez pu le voir, qui marche vraiment automatiquement. En fait, donc vous allez poser les graines. Les graines vont arriver dans des hoppers qui vont aller dans un coffre. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être le tuto de ferme automatique. En fait, le seul truc, c'est qu'il va falloir y aller et remettre en fait les plantations. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une échelle et par exemple aller là, et ici vous allez replanter tout ça, tout ça. C'est juste le gros inconvénient, mais sinon ça va ramasser tout seul au lieu de casser. Voilà, c'est une ferme automatique. Donc les gars, on va s'attaquer au tuto. Pour la ferme, les gars, vous allez faire un long, une longue barre en fait de 20, les gars, de longueur. Alors, attendez, je vais mettre juste à côté. Voilà, une longue barre de 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc dès que vous avez fait cette barre, vous allez monter du coup tout ça. Alors vous allez monter de 5 comme j'ai fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3. Et vous allez devoir du coup faire de la longueur. Alors la longueur, les gars, elle est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est de 7 de longueur. Vous allez du coup devoir le faire et ensuite vous allez tout relier. Ça fait à moitié un rectangle. Vous pouvez faire ça dans votre base. Après, vous faites comme vous voulez la décoration. Moi, je la fais en quartz. Donc voilà. Donc les gars, dès que vous avez fait le carré, et bah vous allez prendre de l'herbe et vous allez aller à un endroit. Donc moi, je vais le faire ici. Et vous allez compter un bloc. Et ici, vous allez faire une surface d'herbe. Deux. Alors attendez, j'ai mis combien? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 de longueur. Ok, donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous faites une surface de 7 de longueur. Comme ceci. Et ensuite vous allez refaire une surface. Et là c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est presque la même chose. Il y a juste quelques longueurs. Donc 3. 1, 2, 3. Ok, nickel. Voilà, donc vous faites ça. Après, vous allez devoir bêcher du coup tout ça. Donc vous avez fait ça. Ensuite, en fait, ici, ça va être la place pour le courant de redstone. Voilà. Alors ensuite, vous allez creuser de un bloc comme ceci, juste à droite. Et vous allez placer des hoppers. Mais attention, les hoppers, les gars, faut bien les placer. D'accord? Donc vous allez ici. Là, vous allez casser les deux blocs. Ok? Vous allez casser tous les blocs, en fait. Et vous allez placer, donc au centre en fait, aux deux blocs, vous allez placer un coffre, comme ceci. Vous allez prendre un hopper qui va pointer vers le coffre. Et ensuite vous allez faire d'autres hoppers qui vont pointer vers les hoppers juste là. Ok? Hop. Hop. Regardez, si je jette un truc par exemple, et bah ça va aller dans le hopper, dans le coffre. Voilà, donc ça déjà, le système en fait de ramassage est déjà fait. C'est très très court, il n'y a pas besoin de beaucoup de trucs en fait. Donc ensuite, vous allez prendre des distributeurs. Vous allez en mettre tout le long. Voilà. Tout le long de la surface en fait. Et vous allez remonter comme ceci. Ici, vous allez laisser pour l'instant. Et ensuite vous allez mettre un levier où vous voulez. Moi je vais faire un petit truc de décoration avec la vitre, tout ça. Après vous faites ce que vous voulez. Voilà, on va faire un peu de décoration quand même. Voilà.
Alors les escaliers encore. Hop, vous pouvez mettre une petite vitre ici pour regarder en fait si ça a planté ou pas. Hein, si tout a planté, bah c'est nickel. Et vous placez le levier juste là. Voilà, moi je vous le conseille de placer le levier juste là, ça va être beaucoup plus simple. Mince, c'est juste décalé. Hop. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous avez toute la place en fait pour amener le courant de redstone jusqu'au distributeur. Donc vous allez prendre de la redstone, vous allez l'amener par là. Regardez, si j'appuie, ça va l'activer. Donc ensuite, vous allez la monter du coup la redstone. Donc comme vous la montez, bah comme vous le souhaitez. Hop, vous montez de façon à ce que vous pouvez l'activer. Alors là les gars, en fait ce que vous allez faire, bah moi ce que je vais le faire parce que c'est dans ma situation, mais je vais mettre en fait des blocs comme ceci les gars. Voilà, comme ça. Les gars, si jamais par exemple vous avez un problème comme ça, et bah vous prenez de la glowstone parce qu'en fait la redstone passe à travers la glowstone. C'est quelque chose de secret, voilà, c'est un petit secret. Et ensuite vous avez tout le courant de redstone. Et voilà, et regardez, si j'appuie sur le levier, c'est magique, tout est activé. Vous regardez bien si le fil est... Là regardez par exemple, il n'a pas été activé. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit répéteur juste là, comme là, tout est activé. Donc hop, vous rebouchez tout ça. Donc ici, bah remplissez bien sûr pour pas que ça se voie. Voilà, comme cela. Et bah ensuite les gars, vous avez terminé. Il faut juste mettre de l'eau. De l'eau. Donc vous prenez de l'eau. Hop. Vous en mettez. Bah, vous prenez un seau d'eau et vous en mettez dans chaque distributeur. Voilà. Comme ceci. Ensuite, les gars, bah, pour la décoration, je peux vous aider si vous voulez. Alors, bah, moi, par exemple, moi, je vais prendre des piliers. Si vous le faites en bois, et bah, vous prenez des bûches. C'est exactement pareil. Donc juste à côté des vitres les gars, vous pouvez mettre un pilier et à l'opposé aussi, juste là. Voilà, comme ceci les gars, c'est parfait. Ici les gars, vous pouvez mettre aussi un pilier juste là et un autre là. Voilà, comme ceci. Alors faites-le derrière, mais bon après voilà. Moi je vais pas le faire, mais faites-le aussi, c'est important. Donc voilà. Donc tout est fait. Donc les gars, maintenant il va falloir du coup bêcher toute la surface. Mais c'est pas terminé. Parce que l'eau en fait doit pousser avec de l'eau. Je pense que vous le savez. Donc du coup vous allez devoir mettre de l'eau. Voilà. Vous allez devoir mettre de l'eau juste là. Vous allez mettre un petit truc d'eau. Oups. Voilà. Donc vous avez mis un truc d'eau comme ceci. Vous allez faire du coup la même chose de l'opposé. Alors hop, faut que j'arrive à la voir. Et voilà, là voilà, vous avez toute l'eau. Alors je crois que j'ai cassé. Ouais voilà. Il faut juste que je remette. C'est bien loin. Ouais voilà. Nickel. C'est bon. Hop. Donc vous faites ça. Donc là du coup l'eau est en dessous. Donc du coup vous allez pouvoir mettre vos cultures. Sauf que va falloir mettre aussi de l'eau juste là. Voilà, vous hésitez pas les gars dans l'eau. Mieux vaut que ça pose vite. Voilà, c'est le truc qui est important. C'est que ça pose vite. Hein. Voilà, comme ça les gars, toute l'eau est mise. Et là, vous allez devoir du coup... Ah les gars, vous allez bêcher du coup toute la surface en fait de votre... de votre ferme automatique. Et ensuite les gars, vous allez devoir du coup mettre vos cultures. Alors ça marche avec toutes les cultures. Par exemple,
Moi, les gars, par exemple, je vais prendre, tiens, pour changer, des carottes, par exemple. Donc voilà, vous prenez les carottes et vous allez les planter. Et ça va marcher, vous allez voir, il n'y a pas de souci, les gars, à que ça ne marche pas. Faut. Y a pas de panique, les gars. Ça va marcher, c'est complètement automatique. Et l'eau. Bah, les graines, c'est très peu que vous ramassez pas un truc. Alors, ça peut arriver des fois qu'il y a une carotte, par exemple, qui part dans un coin, que vous avez pas réussi à la ramasser. Mais c'est très très rare. Donc, je vais attendre que ça pousse. Et les gars, je vous prends. Voilà, les gars, tout a poussé. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire le test. Vous prenez l'eau, vous activez. Donc là, toutes les carottes vont descendre. Là, ça va s'arrêter juste un moment. Bon, voilà, ça a juste fait ça. Mais c'est pas grave, hein, si l'eau, les gars, arrive. Donc ensuite, les gars, vous allez du coup vous devoir y aller. Mince. Ah mince. Ah les gars, j'ai foutu de l'eau. Oh là là. Ah bah mince, j'ai foutu de l'eau, les gars, au mauvais endroit. Mais voilà, mettez des dalles, c'est important. Et là, regardez, vous avez toutes vos carottes. Voilà, les gars, ça arrive encore, hein. Ça met un peu de temps, mais ça arrive doucement. Alors, par rapport au blé, vous ramassez énormément plus. Mais après, les gars, le problème, c'est que vous devez replanter ces carottes. Mais déjà, là, vous avez un bon paquet de carottes, hein. Franchement, vous avez. J'ai peut-être les 3 stacks de carottes, peut-être un peu plus de 3 stacks. Ouais, voilà. Attendez, les gars. Les gars, vous avez récupéré. Bah, moi, j'ai récupéré 3 stacks et 21 de carottes. Donc, les gars, ce tuto est déjà terminé. J'espère que je suis pas allé trop vite sur cette ferme automatique. Après, voilà, il vous reste plus qu'à planter. Mais j'espère que je suis pas allé trop vite, les gars, pour ce tuto. Donc, bah, moi, les gars, je vais vous laisser. Je vais manger mes petites carottes. Ciao.